Le lac des Missionnaires, c'est pas un lac qui est très connu, à part des gens de la Mauricie, je dirais. Comment on se rend là-bas? Fort simple. On prend l'autoroute 55 comme si on se dirigeait vers la Tuque. À un certain moment donné, ça devient la 155. Puis à un certain moment donné, on va devoir tourner, prendre une sortie, si on peut dire ça comme ça, vers Saint-Joseph de Mékinac. Donc, on a un petit bout à faire en terrain assez montagneux. On va arriver à Saint-Joseph de Mékinac. Donc, quand on dépasse Saint-Joseph de Mékinac, le premier lac qu'on va voir, c'est le lac Mékinac, justement, où il y a de la Wananiche. Puis si on continue encore, à un certain moment donné, il y a un petit chemin de gravier, puis ça, c'est indiqué, ça nous dirige vers le lac du Missionnaire. Mais il y a le lac du Missionnaire nord, puis il y a le lac du Missionnaire sud. Nous, on a pêché la partie nord. Donc, c'est un lac public, puis la petite rampe de mise à l'eau qui est là est accessible gratuitement. Donc, tout est assez simple. Il y a un terrain de camping aussi sur le bord du lac du Missionnaire. Donc, ça peut être une option d'hébergement. Sinon, évidemment, bien, on n'est pas très loin de Shawinigan, par exemple, ou même de d'autres plus petites municipalités où on va trouver de l'hébergement si on va aller pêcher deux, trois jours là. Donc, aussi simple que ça. Petit lac, environ 1h15 au nord de Trois-Rivières, où on peut pêcher principalement Achigan à Petite Bouche et Truite Grise, le lac du Missionnaire.